Oui, ici Horatio. Un meurtre? Ok, on arrive. La victime est une jeune femme russe, dans la vingtaine environ. Les Russes, on peut dire que les carottes sont cuites. Mauvais vie si elle est vraiment morte. Wow, 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 qu'est-ce que tu fais? Arrête de mettre ton pistolet dans sa face. Regardez les éclaboussures de sang. Quel meurtre sordide. Hein? C'est quoi ça? Hey les gars, voulez-vous un coup de main? Regardez là-bas, il y a un gars qui s'enfuit. C'est peut-être un témoin, on devrait aller y parler. Ok, moi pis Mathilde, on va y aller, ok? On va. Toi, pendant ce temps-là, reste ici pis surveille la scène de crime, c'est ok? Bon. C'est pas Mathilde, c'est Myron! Ah, c'est ça, Mathilde, c'est son nouveau, Mathilde. Myron. On l'a perdu, t'as-tu retenu comment, à quoi il ressemblait? Ben, je l'ai un peu vu, il avait les cheveux noirs, courts, je dirais. À peu près, il mesurait peut-être 5 pieds 5, 5 okay. pieds 6. Let's go, on va aller voir là-bas. Hey les jeunes! Les jeunes! On a des questions à vous poser! Les jeunes! Hey! 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 Hey toi! Hey toi! On a des questions à vous poser! Hey, fais-moi la paix, man! Hey! Qu'est-ce que tu viens de nous dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Même foutre la paix! Ok. Oh shit! Vous êtes venu nous dire nos informations parce que on est la police de Sainte-Julie. C'est ça, Sainte-Julie. Ok? C'est ça, Sainte-Julie. C'est ça, Sainte-Julie. Yo! Tu me dis quand t'es prêt. Les murs! Qu'est-ce que tu fais? Je suis sorti! Arrête, désolé! C'est notre suspect, faut pas le tuer! Horatio, Horatio! Amène-toi, le suspect, il y a un suspect qui s'enfuit! Il y a un suspect qui s'enfuit derrière l'école secondaire du Grand Coteau! Hey, le jeune, t'es en état d'arrestation. J'ai les droits. Vous pouvez pas faire ça. Hey, écoute-moi là. Tu vas aller en dedans là. J'ai les droits. Venez-vous-en les gars, les poignets. Hey, là on va ôter mon temps, on va ôter mon temps là. T'as pas déjà un bing? Ouais, mais on a jamais trop là. Okay. Là, Myrmidon, là, va t'en serrer en arrière avec le suspect, ok? Myron. C'est Myron. Ouais, c'est ça, Myrmidon, va en arrière. Myron. Ouais, je te prendrais une douzaine de beignes. Comment ça va faire, vous? Moi, je vais acheter des beignes aussi. Ouais, vas-y, je vais checker le char, moi, pendant ce temps-là. Ouais, bonne idée. Pis, y'est-tu bon ton beigne? Ouais, il est pas mal bon, moi, de dire. Moi, j'aime tout le temps ça, les beignes, là. Y'a aucun beigne que j'aille.
Pourquoi t'es là, Martin? Ben, j'avais faim aussi. T'as laissé suspect tout seul, t'as-tu bon les portes au moins? On vient de se séparer comme ça, on va mieux pointer. Service de police, bonjour. Ah, votre maison est en feu. Est-ce que vous êtes correct? Êtes-vous en feu? Oui, ok. Roulez-vous dans l'herbe, aspergez-vous. Avez-vous une piscine? Oui, sautez dedans. Allez tout de suite. Ok, oui. Votre fille aussi est en feu. Ok, oui, ok. C'est bon. Alors, votre chien est pris dans votre arbre. Ok, alors, je vous envoie une petite échelle et des ambulanciers aussi. Qu'est-ce que tu veux? Attendez deux petites secondes, il y a un gars fatigant qui me parle là. Ben, qu'est-ce que tu veux là? Tu savais que la langue est un muscle? Tu veux faire un bras de fort? Un gars qui s'entraîne très souvent. Hey les gars, c'est qui ce loser là? Mon nom, c'est Myron. Donc, vous vouliez signaler une distraction? Ok, bon, je vais prendre le nom. Bon, ok. Milo, là. Myron. Milo. Milo, prends des notes, là, ok. Puis regarde les pros faire pendant l'interrogatoire, ok. Ok. J'ai déjà mon crayon puis mon calepin. C'est bon, on y va. Là, quand Ratio va arriver, là, ça va barder. Ouais, ça va barder. Qu'est-ce que tu fais à parler? Je t'ai dit juste de prendre des notes. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Ouais, c'est bon. Salut, Horacio. Après tous les tests que j'ai effectués, j'ai pu conclure que la victime était morte. La cause de la mort semble être une hémorragie externe suite au démembrement. J'ai trouvé des traces de morsure sur son avant-bras. Et comment êtes-vous venu à cette conclusion? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Merci, Cyril. Bon travail. Merci, Horacio. Au revoir. Bonjour tout le monde. J'ai pas été trop long. Non, c'est correct. On était sur une scène de crime, pis on a vu un gars qui te ressemblait pas mal. C'est moi qui l'ai vu le premier. Ben toi, qu'est-ce que tu fais à parler? On t'a dit que de juste prendre des notes. Carré, que laisse-les. T'enlèves de notre crédibilité, là. Ok. Je parlerai pas sans mon avocat. T'aurais-tu des informations de c'est qui le tueur? Je vous ai dit que je parlerai pas sans mon avocat. Tiens, ton avocat. Merci. Là, tu vas me dire qu'est-ce qu'on veut savoir. Lancer la table violemment. C'est quoi ce bouquin? Arrêtez donc de faire du bruit, gang de malades. Désolé, madame. Désolé, madame. Ben, moi, je sais pas c'est qui le meurtrier, mais je connais un gars. Ce gars-là, c'est le grand-oncle de mon frère qui a fait un enfant avec sa sœur, qui a dit que sa grand-mère était une juive, puis elle s'est combattue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça n'a pas rapport. Le fait, c'est que la fille qui pourrait vous aider, c'est ma sœur. Elle s'appelle Nacho. T'es un peu plus dur avant? Ouais, mais ça a été trop simple. C'est bon. On a tout ce qu'on voulait. Tu peux y aller. Merci pour tes informations. Ça est trop beau.
Suite à cela, les policiers ont recherché Nacho partout dans la ville. Ils ont entendu des rumeurs comme quoi elle vendait de la drogue derrière l'aréna. Ouais, c'est moi, bien sûr que c'est moi. Yo les mecs, vous voulez quoi? Du moche, de l'herbe, j'ai tout ce qu'il faut quoi. Allez, allez, qu'est-ce que vous voulez? Allez, Horatio, on la prend, allez. Ah allez, non, yo les mecs, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Wow, les mecs! Allez, qu'est-ce que vous voulez? La police! Police de Saint-Gilly, dis-nous ce qu'on veut savoir. Puis on va faire comme si on n'avait rien vu. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est qui a fait le meurtre dans la forêt pas d'ici? Dis-le sinon ça va aller mal. Nacho. Je sais c'est qui? Il s'appelle Strap. Jack Strap. C'est bien silencieux, qu'est-ce que vous faites? On essaie de trouver des liens pour nous mener au tueur. Vous êtes sérieux là? Ça marchera jamais. C'est quoi le lien entre tout ça là? Jack Strap. Il a écrit rap dans Jack Strap. Vous savez qui rappe? Snoop Dogg. Snoop Dogg est high parce qu'il filme cannabis. High comme dans O. Les avions volent. Qui dit avion dit 9-11. Jack Strap est responsable du 9-11. Jack Strap. Avion. Avion 5 lettres. Jack a 4 lettres. En tout ça fait 9 lettres. 9 en anglais veut dire 9. 9 c'est un acronyme pour 9. Un mot en allemand. Allemand, évidemment, ça lie tout à Hitler. Jack Strap est un descendant d'Hitler. 9 divisé par 3 fait 3. Qu'est-ce qu'il y a 3 côtés? Un triangle. Jack Strap fait partie des Illuminati. Si on tourne 9 de bord, ça fait 6. 6 fois 3, ça fait le chiffre de Satan. 666, ça veut dire que Jack Strap c'est un sataniste. Non, non, ça marche, là. Puis là, Michael va utiliser le satellite américain pour trouver le tueur sur la scène du crime. Bon, là, on va utiliser le satellite américain pour retrouver des images du suspect. Bon, ben là, on doit agrandir. Encore agrandir. On a agrandi. Vraiment, on doit beaucoup agrandir. On a agrandi encore. Ça sent bien. Vous voyez, devant la fenêtre, il y a un reflet. On va agrandir pour voir mieux. Il y a un reflet de voiture. Dans le reflet de voiture, il y a un autre reflet. Vous voyez sur la vitre? Attendez, je vais agrandir. C'est certainement le tueur. Ouais, c'est bon. Ouais, continue. Zoom encore, ouais. Ouais, vous dites vraiment n'importe quoi, là. Ça marchera jamais. Regardez, c'est exactement le même gars qui joue au basket avec le jeune. Pour une fois, là, t'as fait de la bonne job. Ouais. Bon, ouais, viens-t'en, Mathilde. C'est pas tout, là, faut l'arrêter aussi, ce criminel-là. Hey, le jeune! Ouais! Tu sais où c'est qu'habite ton ami que tu joues au basket avec l'autre fois? Ouais, pourquoi? Ben, on est où? Il habite là-bas, là. On a des preuves que c'est le meurtrier. Ok, ben, il habite sur la rue de Giverny. Je vais aller le trouver. Ok, merci. Bye, là, les gars. Oh non, les chaises sont là. Regarde-le par la fenêtre, c'est lui. Il s'enfuit. Va par en arrière, moi je vais par en avant. Oh.
plus un geste. Ok, je me rends. Les mains sur la tête. Bon. Est-ce que ton vrai nom est vraiment Jackstrap? Bien sûr que c'est mon nom. Est-ce que c'est toi qui as fait le meurtre de Larousse? Mais laquelle? Oh mon Dieu! Il en a tué plusieurs. Mais pourquoi as-tu tué cette rousse? Je sacrifie des rousses chaque mois pour Satan afin de ressusciter mon arrière-arrière-arrière-grand-père Hitler. C'est la fin pour toi, Jackstrap. Tu vas aller en taule. Je ne pense pas que ça va arriver. Vraiment, bien résolu l'enquête. Bien résolu. Bonne enquête. Ouais. Nous avons bien résolu ce crime, Serpico. Je suis content d'être ton coéquipier. Moi aussi. Toujours aussi belle? C'est quoi ce bruit-là? Le seul bruit que j'entends, c'est le doux son de ta voix. Hey, y'a pas d'art, flingue, je pense qu'il s'échappe. Il est là-bas, il s'échappe. Quoi? Ils sont plus. Allons-y. Puis la pêche en fin de semaine? Une grosse truite, assez grosse, moins bon qu'un beignet, mais quand même, encore. Ouais. Ah ouais, go, go! C'est à ce moment que Serpico réalisa que ce beigne n'était pas seulement de la nourriture, mais aussi son compagnon. Macaroni, on a besoin de renfort, viens-t'en tout de suite. J'arrive tout de suite, Horatio, et mon nom, c'est Myron. Fils de chien.
Aide-toi, Michel. Ah ouais, il y en a trois, Michel. On retourne poursuivre, puis moi, je vais aller chercher le serpico. Pas Michel, c'est... My God. Ah ouais. Rends-toi! Ok, bon, je me rends. Ok, je me rends. C'est non. Fini pour toi! Non, pas encore! Non! La deuxième fois est toujours la bonne! J'avais 203! Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi! Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi! Que ceux qui sont assis se lèvent, suive pas! Allez maintenant on y va, ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé. On est déjà dans l'ambiance et à peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas. Avec bien plus de cibles que Travolta. Pas le temps de souffler, dans la foule on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un, vu qu'entrer sans rien, pas moyen. Ces soirées-là, on brave, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Jusqu'à l'eau, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger. Faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé. Elle est si, j'en suis resté bouche bée.